Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Give it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's amping up and it's our way to love, live and share it today. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce tuto, non pas sur ce live. Donc c'est un des derniers préenregistrés, je pense qu'on va bientôt pouvoir se retrouver en live, ça va faire du bien. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin'Up depuis un peu plus de 2 ans et demi. Donc de chaque semaine, chaque mercredi matin, je vous propose un petit donc live créatif, de manière à pouvoir se retrouver un petit peu ensemble et papoter par exemple, ou voilà, échanger, ou tout simplement scraper. Donc si vous voulez venir rejoindre mon équipe, vous prenez contact avec moi via mon adresse mail qui se trouve ici. scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Si vous voulez simplement passer une commande, pas de souci. Rendez-vous donc, cesse de ce côté-ci, sur ma boutique en ligne scrap-passion54.stampinup.net. Pour toute commande inférieure à 200 euros, vous indiquez le code hôtesse qui se trouve ici. Et le mois suivant, donc au mois d'août, je me ferai un plaisir de vous offrir un petit cadeau. Voilà qui est dit. Alors, nous avons pour le mois de juillet une petite promo. C'est-à-dire qu'à partir de demain, à partir du 6 juillet et jusqu'au 31 juillet, vous pouvez gagner des bons d'achat, on va dire, des coupons de 6 euros chaque fois que vous achetez pour 60 euros d'achat. Donc, par tranche de 60 euros, vous gagnez des coupons de 6 euros qui seront donc utilisables au mois d'août. Donc, je vous laisse un petit peu lire les renseignements qui sont notés dessus. Donc, vous vous rendez sur ma boutique en ligne, scrap-passion54.stampinup.net, et vous passez vos commandes, hein, éventuellement, et donc, vous obtiendrez donc des coupons réduction. La mini machine de découpe en bleu bohème est toujours disponible à la vente si jamais ça vous intéresse. Profitez-en, c'est jusqu'à rupture de stock. Voilà qui est dit. Donc je vous laisse maintenant avec mon tuto. Donc je vais vous passer sur le plan de travail et vous laisser découvrir donc la création du jour. Donc, c'est une petite carte toute simple. Le seul petit inconvénient que j'ai eu pour celle-ci, c'est que normalement, ce papier, c'est du papier blanc dedans. Donc, quand on embosse, c'est censé ressortir en blanc. En vrai, ça ne ressort pas vraiment, mais j'ai l'impression que sur l'écran, on a l'impression quand même de voir des petits reflets blancs par endroits.
Alors que ça devrait ressortir blanc partout, mais donc, je ne sais pas si c'est moi qui m'en suis mal servi ou je ne sais pas. Donc aujourd'hui, je vais le faire avec une autre couleur. Peut-être que ça ressortira mieux, je l'espère. Mais sinon, donc vous voyez bien, c'est une carte très très simple à faire. Voilà, donc là j'avais utilisé donc en base lueur estivale et en papier blanc dedans, j'avais utilisé la couleur limonade à la limette. Aujourd'hui, je vais donc faire ma carte en bain à bulles et blanc dedans, je vais donc utiliser explosion de baie. Ça va bien ressortir, en espérant que ça ressortira vraiment bien blanc. Je pense pas qu'il y ait un sens, parce que quand j'ai embossé, de toute façon, il n'y avait rien ni d'un côté ni de l'autre. Donc, je prends mon papier blanc dedans et je vais simplement venir couper un morceau de 14,3 sur 10 cm. 14,3. Et ici, je me mets à 10. Voilà. Donc là, en haut, je me positionne à 10. Et je coupe simplement mon morceau, donc, jusqu'à l'intersection précédente. Donc, là, j'ai mon morceau donc de 10 cm par 14,3. Je vais, tant que j'ai mon coupe-papier, couper ma base de carte, donc en bain à bulles. J'ai l'impression que mon zoom a l'air un peu de déconner. Alors, est-ce que c'est parce que je n'ai pas mis la lumière? Je ne sais pas. Donc, je coupe ma base à 14,8 et je marque un pli à 10,5. Donc, je mets de côté. Je vais maintenant embosser donc mon morceau de papier blanc dedans, couleur donc. Explosion de baie. Donc je vais prendre mon plioir à gaufrage 3D fougère ainsi que ma machine. Hop. Et je vais donc embosser. Donc nous allons avoir la surprise de voir si ça ressort bien en blanc. Sinon, je ne sais pas, je serais peut-être tombée sur un paquet défectueux, je ne sais pas. On va bien voir. Hop. On mouline, on mouline, on mouline. Hop. Verdict. Eh ben non, ben alors je sais pas. Je ne sais pas comment ça se fait, le blanc ne ressort pas. Donc je sais pas, ou alors je m'en sers pas correctement. Même de l'autre côté, vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Peut-être que c'est moi qui m'en sers pas correctement, je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave. Donc je vais coller ce morceau que je viens d'embosser donc sur le devant de ma base de carte, tout simplement. Comme ceci. Voilà. Là, il y a un petit semblant là de blanc quand même. Donc il faut peut-être le passer plusieurs fois, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais bon, toujours est-il que nous allons quand même terminer notre carte.
Alors, nous allons prendre maintenant une chute de papier blanc. J'ai vraiment un problème avec mon zoom, moi, là. Avec mon focus. Alors, est-ce que c'est parce que je ne vous ai pas mis de lumière? Peut-être que si je vous mets de la lumière, peut-être que ça fonctionnera mieux. Non, j'ai même l'impression que c'est pire, en fait, non? Je ne sais pas. Je vais donc prendre mes tampons. Alors, je garde mon set de tampons, mon petit singe. Je vais donc imprimer la branche et ce petit singe-là. Donc, je prépare mon tampon, donc ma petite branche, que je vais donc tamponner avec la Memento. Voilà. Et je vais tamponner maintenant donc mon petit singe. Donc j'ai dit celui-ci. Voilà, et tant que j'y suis, je vais tamponner également mon petit message. Donc le message, je vais mettre « Accroche-toi, c'est la fête ». Donc que je tamponne également en memento. Voilà. Je range tout de suite mon tampon pour ne pas le perdre. Voilà. Je vais maintenant venir donc coloriser tout cela. Donc, j'ai pris pour ma branche pâtisserie aux pécanes. Au pacane, pardon, donc le clair. Donc pour coloriser l'intérieur de ma branche, je vais le faire dans le sens inverse par rapport à ma version précédente. Ma branche va être de l'autre côté, donc je la mets dans l'autre sens. Là, j'avais fait un ombrage sur le haut. Donc, étant donné que celle-ci, je vais la faire dans l'autre sens, je vais faire l'ombrage de l'autre côté. Donc, en pâtisserie au pacane foncé, je vais simplement venir faire un trait plus foncé, donc sur le haut de ma branche. Tout simplement, j'ai un petit peu la tremblote, mais bon, voilà. Et mes feuilles, je les colorise donc en feuillage sauvage clair. Voilà. Pour mon petit singe, je vais prendre brune dune claire pour lui coloriser donc l'intérieur de ses petites oreilles ainsi que tout le visage. Voilà.
Et donc, en brune d'une foncée, je colorise tout le restant de mon petit singe. J'essaie de ne pas dépasser. Il suffit que je le dise pour le faire. Là, j'ai dépassé un peu. Donc, je prends mon nuancier, donc le blend blanc, et je viens simplement repousser là où j'ai dépassé. En fait, ça fait style un peu effaceur. Voilà, il y a encore un petit bout ici, juste là. Donc, je vais le faire également. Et voilà, c'est magique. Ah, il y avait également un petit morceau ici, un petit peu. Voilà. Je vais donc maintenant prendre mes ciseaux et venir découper tout ça. Donc, mon petit message, je le mets de côté, je le recouperai correctement tout à l'heure. Et là, donc, je viens découper tout autour de mon petit singe. J'étais un petit peu hors caméra, je suis désolée. J'aime pas trop quand il faut détourer au ciseau. Il y a certaines personnes que ça détend. Moi, ça me stresse plus qu'autre chose. J'aime pas trop, mais bon. Quand il faut, on n'a pas le choix. En fait, moi, mon problème, c'est que j'ai du mal à garder la même distance de blanc tout autour. Parce que c'est plus joli quand on laisse une petite bordure blanche. Moi, j'ai toujours du mal à la faire régulière partout. Il y a certains endroits où il y a plus de blanc que d'autres. Il y a même certains endroits, des fois, où ça m'arrive de couper carrément sur le tamponnage et de ne pas laisser de blanc. Je ne suis pas très, très, très douée. Il va falloir que je prenne des cours. Bien que les ciseaux ne bougent pas, c'est toujours le papier qui bouge, mais c'est pas toujours évident. Surtout quand ça tourne beaucoup, là, il y a des petits arrondis. Voilà. C'est ce que je disais. Hop. Voilà donc mon petit singe qui est détouré. Bon, pas très très bien, mais bon, on fait comme on peut. Je vais simplement venir faire une fente. Donc, au niveau de l'arrondi de la queue, là j'essaye quand même de suivre. Et je vais simplement faire, hop, une petite entaille. Comme ceci, pour pouvoir lui enrouler la queue autour donc de ma branche. Donc mon petit singe est là. Maintenant, je coupe la branche, qui est beaucoup plus simple à faire et beaucoup plus rapide du coup. Hop. Oh là, j'ai laissé un petit peu trop de blanc, je reviendrai peut-être dessus après.
Hop. On arrive au bout. Les dernières petites feuilles. Et voilà. Donc ma branche est découpée. Je vais prendre donc mon petit singe et là où j'ai fait la petite entaille, je vais simplement venir glisser ma branche comme ceci, de manière à ce qu'on voit vraiment que sa queue est bien entourée au niveau de la branche. Je retourne le tout et je viens mettre des dimensionnales. Hop, donc pour pas que ça bouge, j'en mets un tout de suite, hop là, au niveau de la queue. Et j'en mets donc ensuite un petit peu partout. Derrière mes découpes. Là. Voilà. Voilà, encore un petit là. Voilà. Donc, je reprends ma base. Pourquoi c'est flou? Voilà. Et je vais simplement venir coller donc mon petit singe de l'autre côté par rapport à l'autre. Comme ceci. Donc, je retire les opercules derrière mes petits dimensionnels. Tac. Et donc, je viens positionner mon petit singe avec ma branche. Comme ceci. Je récupère mon petit message que je vais venir découper un peu plus droit que ce qu'il n'est. Hop. Donc là, sur le côté, je coupe un peu plus droit. Et ici, je vais venir hop, le couper au centre et faire un effet donc bannière. Comme ceci. Je mets également des dimensionnales à l'arrière. Hop. Donc, comme ceci, et je vais simplement venir donc le coller. Pour terminer, je prends mon outil touche-à-tout et mes perles classiques. Et je viens simplement donc coller quelques perles par-ci par-là. Donc toujours en chiffre impair, en nombre impair.
Voilà. Donc, notre petite création du jour. En bain, bulle et explosion de baie. Et ma version précédente qui était donc en lueur estivale et limonade à la limette. Donc, vous voyez, je les ai fait à l'opposé. Hop. Alors voilà, ce tuto est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si jamais vous voulez venir rejoindre mon équipe, vous prenez contact scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Si vous voulez simplement passer une commande, eh bien, il n'y a pas de souci. Ma boutique en ligne, scrap-passion54.stampinup.net. Pour toute commande inférieure à 200 euros, vous indiquez le code hôtesse qui se trouve ici. Et au mois d'août, je me ferai un plaisir donc, de vous offrir un petit cadeau. Donc, je vous rappelle également que à partir de demain et jusqu'au 31 juillet, pour chaque tranche de 60 euros d'achat, vous obtiendrez des coupons de 6 euros de réduction que vous pourrez donc utiliser durant tout le mois d'août. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager, faire ce que vous voulez. Ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu sur Facebook ou même sur YouTube, il n'y a pas de souci. Abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Donc, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.